This program was provided by the Annenberg CPB Project. These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. And be able to say a few things in French yourself. Ouais. More table talk about real estate and the ruined farmhouse the Bellows have fixed up as a country home. The doorbell rings, and Marie Laure is sent to see who it is. She returns with a story about a fake nun with a big mustache selling raffle tickets. Jeudi soir, on est encore à table chez les Bellows. Colette, vous reprendrez bien un peu de foie gras. Vous aimez ça? Colette n'a plus de pain. Marie-Laure, va chercher le pain, s'il te plaît. Les loyers doivent être chers dans ce quartier. Oui, assez. Mais nous, nous ne louons pas. Nous sommes en copropriété. Nous avons acheté l'appartement il y a une vingtaine d'années. Chaque copropriétaire paie sa part pour le chauffage, le traitement des gardiens, l'entretien, les réparations, le nettoyage périodique de la façade. Mais au total, même avec toutes les charges, c'est plus économique que de louer. Oui, bien sûr, la propriété, ça a ses avantages. Mais ça devient infernal. Ma famille possédait autrefois un domaine en Vendée, un petit château en Touraine, un autre en Bourgogne, avec quelques vignes, un manoir en Bretagne, un pavillon de chasse en Sologne, un mas en Provence, un chalet dans les Alpes, une gentilhommière dans le Périgord et un cottage en Normandie. Mais maintenant, c'est devenu impossible avec les impôts et surtout, surtout, le manque de domestiques. Car enfin, il faut bien le dire, on n'est plus servi. Comme vous avez raison, cher ami. Est-ce que vous voudriez bien me passer le sel, s'il vous plaît? Nous n'avons pas de problème de domestique. Il faut dire que nous n'avons pas de grand domaine. Mais nous avons tout de même une petite maison à la campagne qui nous sert de résidence secondaire, près de Dreux. C'était une petite maison de paysans qui était en très mauvais état que nous avons achetée. Les portes ne fermaient pas, il n'y avait plus de vitres aux fenêtres. Nous avons fait toutes les réparations nous-mêmes. Il a fallu changer presque toutes les tuiles du toit, il a fallu tout repeindre, tout retapisser. On a fait les maçons, les menuisiers, les charpentiers, les plombiers, les peintres. Oui, toute la famille a travaillé. Ça nous a pris 2 ans pour la rendre habitable. On a fait amener l'eau, mettre l'électricité, on a transformé la grange en garage. Ça, c'était pas le plus difficile. Il suffisait de laisser tomber un N et d'ajouter un A. Oh, arrête. Arrête tes jeux de mots absurdes. Qu'est-ce que c'est, le jeu de mots absurde? Grange, garage. Tu as grange, le mot grange, et tu veux faire garage. Tu enlèves un N et tu ajoutes un A. Tu vois? Non. Va chercher ton Scrabble, je vais te montrer. Marie-Laure se lève. Madame Bellows la réprimande. Marie-Laure, qu'est-ce que tu fais? Veux-tu bien t'asseoir? C'est papa qui m'a dit. Ah bon? Alors, tu as grange, tu enlèves un N, tu ajoutes un A, et tu as garage. Voilà. C'est ça? C'était pas difficile, hein? Pendant ce temps, Madame Bellows continue sa conversation avec Robert. Ça se fait beaucoup depuis quelque temps. Les gens de la ville achètent de vieilles maisons de paysans, ils les modernisent, et ils s'en servent comme résidence secondaire. Ils y viennent pour le week-end. Je trouve ça triste de voir les paysans chasser de leurs vieilles maisons. Mais on ne chasse personne. Ce sont de vieilles maisons abandonnées qui tombent en ruine la plupart du temps. En tout cas, nous, notre maison, on l'a bien gagnée. On y a drôlement travaillé et elle est bien à nous. À ce moment, on entend un coup de sonnette. Il me semble qu'on a sonné. Marie-Laure, veux-tu bien aller voir, s'il te plaît?
Marie-Laure se lève et sort de la pièce. Bonjour, petite. Est-ce que tu voudrais des billets de tombola? Ah, non, non. Très joli. Non. Oui, c'est cela. Un moment après, elle revient. Qu'est-ce que c'était? Une bonne sœur. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait me vendre des billets de loterie pour gagner un vieux prieuré du XVIe siècle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit que ça ne nous intéressait pas, qu'on avait déjà une résidence secondaire et qu'avec les impôts, le manque de domestiques, ça suffisait comme ça. Marie-Laure! Quoi? C'est pas vrai? Mais tu aurais dû m'appeler, voyons, cette pauvre bonne sœur. Bah, c'était pas une vraie. Comment ça? Ben non, c'était une fausse bonne sœur. Comment le sais-tu? Elle avait de la moustache. Oh, c'est pas une raison. C'est sûrement des bonnes sœurs qui ont de la moustache. Peut-être, oui. Tante Amélie, elle a de la moustache. Mais elle, elle avait une moustache comme ça. Bizarre. Bizarre. Aujourd'hui, il est surtout question de l'appartement des Bello et de leur résidence secondaire. Les Bello habitent au 18 rue de Vaugirard, dans un appartement. Ils ne sont pas locataires. Quand on n'a pas de voiture, on peut louer une voiture. Vous vous rappelez que Robert a loué une voiture pour aller à Provins. Quand on n'a pas de maison, on peut louer une maison ou un appartement. Vous vous rappelez que les Bello ont loué une maison de vacances en Bretagne. Quand on loue une maison ou un appartement, on est locataire. Quand on est locataire, tous les mois, il faut payer le loyer. Il faut envoyer un chèque au propriétaire pour le loyer. Les Bello ne paient pas de loyer parce qu'ils ne sont pas locataires, ils sont propriétaires. L'appartement est à eux. Ils ne paient pas de loyer, mais ils paient des charges. Ils paient pour le chauffage de l'immeuble, pour les réparations, pour le nettoyage périodique de la façade, pour le traitement des gardiens. Les gardiens, c'est le concierge ou la concierge. Tous les mois, les propriétaires, enfin les copropriétaires de l'immeuble, doivent payer la gardienne, la concierge. D'après M. Bello, même avec ces charges qu'il faut payer, c'est plus avantageux d'être propriétaire que locataire. Mais au total, même avec toutes les charges, c'est plus économique que de louer. Oui, bien sûr, la propriété, ça a ses avantages. Mais ça devient infernal. Ma famille possédait autrefois un domaine en Vendée, un petit château en Touraine, un autre en Bourgogne, avec quelques vignes, un manoir en Bretagne, un pavillon de chasse en Sologne, un mas en Provence, un chalet dans les Alpes, une gentilhommière dans le Périgord et un cottage en Normandie. Hubert énumère tout un tas de propriétés, de domaines que sa famille aurait eu un peu partout en France, en Normandie, en Bretagne, en Vendée, en Touraine, en Bourgogne, en Sologne, en Provence, dans les Alpes, dans le Périgord. Évidemment, quand Hubert énumère toutes ses propriétés, tous ses beaux domaines, il s'amuse un peu. Il joue un rôle, le rôle de descendant d'une grande famille aristocratique. Marie-Laure le prend au sérieux, mais il n'est pas entièrement sérieux. Il exagère peut-être un peu. Ce petit château en Touraine, par exemple, c'est le château de Chambord, construit au XVIe siècle par le roi François Ier. Il appartient aujourd'hui à l'État et n'a jamais, que je sache, appartenu à la famille de Pinot-Chambre. Un manoir, une gentilhommière, ce sont de petits châteaux, la maison d'un gentilhomme. Le mas, c'est la maison typique de Provence. Et le chalet, c'est la maison en bois typique des Alpes. Voilà des chalets dans les Alpes.
de vieux chalets de paysans et des chalets modernes, des résidences secondaires. Donc, autrefois, la famille d'Hubert possédait tout un tas de propriétés. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Oui, bien sûr, la propriété, ça a ses avantages. Mais ça devient infernal. Ce n'est plus possible d'avoir des propriétés, c'est trop difficile. C'est horrible, affreux, c'est un enfer, ça devient infernal. C'est devenu impossible pour deux raisons. D'abord, à cause des impôts, des taxes sur la propriété. Il faut donner de l'argent à l'État tous les ans. C'est très cher. Et puis, l'autre raison, c'est le manque de domestiques. Autrefois, on avait des domestiques. On avait des domestiques qui vous servaient. Aujourd'hui, il n'y a plus de domestiques pour vous servir. On n'est plus servi. Les courtois ont une bonne qui les sert, oui, mais c'est rare. Et puis, les bonnes d'aujourd'hui, elles ne travaillent plus comme autrefois. Car enfin, il faut bien le dire, on n'est plus servi. Tenez, regardez. Aline ? Aline ! Aline ! C'est incroyable ce qu'on peut être mal servi. Excusez-moi, madame. Les Bellots, eux, n'ont pas de domestique du tout. Ils n'ont pas de bonne. Heureusement, ils ont Marie-Laure. Marie-Laure, va chercher du pain, s'il te plaît. Oui. Il me semble qu'on a sonné. Marie-Laure, veux-tu bien aller voir, s'il te plaît? Tiens, tu veux bien passer le livre, là? Tu vas me chercher un crayon? Oh là là, hé, je suis pas ta bonne, hein. Si tu veux un crayon, tu vas le chercher toi-même. Oh là là, il faut bien le dire, on n'est plus servi. Eh non, on n'est plus servi. Il faut tout faire soi-même. Quand on a qu'un petit appartement, comme dans Georgette, ça va encore, on peut se débrouiller. Mais quand on a une maison un peu grande, quand on a plusieurs propriétés, ce n'est plus possible. On n'y arrive pas. Nous n'avons pas de problème de domestique. Il faut dire que nous n'avons pas de grand domaine. Mais nous avons tout de même une petite maison à la campagne qui nous sert de résidence secondaire. Les Bellots ont cet appartement à Paris. C'est leur résidence principale. Et puis, ils ont aussi une petite maison à la campagne. Ça, c'est leur résidence secondaire. Ça leur sert de résidence secondaire pour les vacances, les week-ends. C'était une petite maison de paysans qui était en très mauvais état que nous avons achetée. Des paysans. Une maison de paysans en Vendée. Une maison de paysans dans les Pyrénées. Une maison de paysans en Bourgogne. Une maison en mauvais état. Une autre maison en mauvais état. Une maison en très mauvais état. Une maison en très très mauvais état, en ruine. Et voilà un château en ruine. Et voilà une voiture en très mauvais état. Quand les Bellots ont acheté cette maison, elle était en très mauvais état. Les portes ne fermaient pas. Les portes sont faites pour fermer, n'est-ce pas? Je ferme la porte. Voilà une porte qui ferme bien. Mais les portes de la maison des Bellots ne fermaient pas, ou fermaient mal. Il a fallu les réparer. Il n'y avait pas de vitres aux fenêtres. Normalement, il y a des vitres aux fenêtres. Ici, il y a des vitres. Vous voyez la réflexion dans les vitres. Mais dans la maison des Bellots, il n'y avait pas de vitres aux fenêtres, ou elles étaient cassées. Il a fallu les remplacer. Il a fallu remplacer aussi les tuiles du toit. Beaucoup de tuiles étaient cassées. Il a fallu les remplacer. Il a fallu tout repeindre. Voilà des peintres. Il a fallu retapisser les murs. Les Bellots ont tout fait eux-mêmes. Ils ont repeint eux-mêmes. Ils ont fait les peintres. Ce monsieur-là est peintre. C'est un peintre, un vrai peintre. Mais est-ce que M. Bellot est peintre? Non, il n'est pas peintre, il est ingénieur chez Renault. Mais
Il fait le peintre. Il n'est pas maçon, mais il fait le maçon. Il fait tous les métiers. Les Bellot ont fait les peintres, les maçons, les menuisiers. Voilà un menuisier. Les charpentiers, voilà des charpentiers. Les charpentiers construisent les charpentes. Les Bellot ont fait les plombiers, un plombier. Les Bellot ne sont pas charpentiers ou plombiers, mais ils ont fait les plombiers. Regardez Marie-Laure là, elle fait l'avion. Est-ce que Marie-Laure est un avion? Non, mais elle fait l'avion. Tais-toi un peu, il n'y a pas moyen de travailler. Arrête de faire l'imbécile. Je ne fais pas l'imbécile, je fais l'avion. Les Bellot ont fait amener l'eau et ils ont fait mettre l'électricité. Ils ont fait mettre l'eau. Il n'y avait pas l'eau dans cette maison, alors les Bellot ont fait amener l'eau. Ils ne l'ont pas fait eux-mêmes. Ils ont appelé des ouvriers, des spécialistes qui ont amené l'eau. Les Bellot ont fait amener l'eau. Les ouvriers ont amené l'eau. Il n'y avait pas d'électricité non plus. Alors, les Bellot ont fait mettre l'électricité. Ils n'ont pas mis l'électricité eux-mêmes. C'est trop dangereux. Ils ont fait venir des spécialistes, des électriciens. Ils ont beaucoup travaillé pour rendre la maison habitable. Quand ils l'ont achetée, elle n'était pas habitable. On ne pouvait pas y habiter. Maintenant, elle est habitable. Ils l'ont rendue habitable. Ça a été beaucoup de travail. Ils ont mis 2 ans pour la rendre habitable. Ça leur a pris 2 ans. Ils ont mis 2 ans. Ça leur a pris 2 ans. Ça nous a pris 2 ans pour la rendre habitable. On a fait amener l'eau, mettre l'électricité, on a transformé la grange en garage. Il y avait une grange, parce que c'était une maison de paysans. Une grange pour mettre le foin. Les Bellot n'avaient pas besoin de grange, mais ils avaient besoin d'un garage pour leur voiture. Alors, ils ont transformé la grange en garage. Facile, dit Mireille. Ça, c'était pas le plus difficile. Il suffisait de laisser tomber Rennes et d'ajouter un A. Regardez. Tu as grange, le mot grange, et tu veux faire garage. Tu enlèves un N et tu ajoutes un A. Tu vois? Non. Marie-Laure ne voit pas. Elle ne comprend pas. Tu as grange, tu enlèves un N, tu ajoutes un A, tu as garage. Voilà. Tu enlèves un N. Tu enlèves, c'est le verbe enlever. Regardez, je mets mes lunettes, j'enlève mes lunettes. Regardez, il enlève ses lunettes. Il enlève sa casquette. Elle enlève son pull. Il y a du rouge sur la joue. Attendez, je vais vous l'enlever. Hein. Oui. Attendez. Bon, donc les Bellot habitent à Paris, rue de Vaugirard, dans un appartement. Ils sont propriétaires. Ça, c'est leur résidence principale. Ils ont aussi une maison à la campagne. Ils sont propriétaires de cette maison aussi. Elle est à eux. Ils l'ont achetée. Cette maison à la campagne leur sert de résidence secondaire pour les vacances. Ça se fait beaucoup depuis quelque temps. Les gens de la ville achètent de vieilles maisons de paysans, ils les modernisent, et ils s'en servent comme résidence secondaire. Ils y viennent pour le week-end. Robert, imaginez de pauvres paysans chassés de chez eux par les gens de la ville. Mais Mireille le rassure. Mais on ne chasse personne. Mais lui, oui, on le chasse. Mais on ne chasse pas les paysans. Ce sont de vieilles maisons abandonnées qui tombent en ruine la plupart du temps. Bon, voyons, nous allons demander à cette dame où elle habite et si elle a une résidence secondaire. Vous habitez dans quel quartier ? J'habite le 5e arrondissement, pas très loin de ce jardin. Est-ce que vous habitez dans une villa ? J'habite dans un immeuble, dans un appartement.
Est-ce que vous êtes propriétaire? Non, je suis locataire de l'appartement. Vous habitez dans quel quartier? Dans le 4e, près de... dans le Marais. Vous êtes propriétaire? Oui. C'est une maison? C'est un appartement. Alors vous êtes copropriétaire? Oui, exactement. Est-ce que les charges sont lourdes? Oui, assez, parce qu'il y a des travaux. Vous habitez dans quel quartier? Dans le 15e arrondissement. Vous êtes propriétaire? Oui. Le loyer est cher? Je ne paie pas de loyer puisque je suis propriétaire. Ben alors vous payez des charges? Oui. Vous êtes en copropriété? Oui. Qu'est-ce que ça comprend, les charges? Le salaire de la concierge, l'enlèvement des ordures et les travaux. Et est-ce que vous avez une résidence secondaire? Non. Où est-ce que vous allez en vacances? Dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence. Puisque vous n'avez pas de résidence secondaire, comment vous faites? Je loue une maison. Pendant que les Bellot parlent de leur résidence secondaire, on sonne à la porte. Marie-Laure va ouvrir. Qu'est-ce que c'était? Une bonne sœur. Une bonne sœur. Une bonne sœur. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait me vendre des billets de loterie pour gagner un vieux prieuré du XVIe siècle. Un prieuré. Est-ce que Marie-Laure a acheté des billets de loterie? Non. Elle a dit que ça ne l'intéressait pas. Je lui ai dit que ça ne nous intéressait pas. Marie-Laure ne veut pas gagner un vieux prieuré du XVIe siècle. Ça ne l'intéresse pas. Elle a déjà une résidence secondaire. Une résidence secondaire, ça suffit. Avec les impôts, le manque de domestiques, tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et qu'est-ce que tu as fait? Je lui ai dit que ça ne nous intéressait pas. Qu'on avait déjà une résidence secondaire et qu'avec les impôts, le manque de domestiques, ça suffisait comme ça. Marie-Laure. Quoi? C'est pas vrai? Mais tu aurais dû m'appeler, voyons, la pauvre bonne sœur. Bah, c'était pas une vraie. Comment ça? Bah non, c'était une fausse bonne sœur. Comment le sais-tu? Elle avait de la moustache. Ce n'était pas une vraie bonne sœur. Ça, oui, c'est une vraie bonne sœur. Mais ça, non, ce n'est pas une vraie bonne sœur. Vous voyez la moustache? Bon, maintenant, écoutez bien le dialogue entre Marie-Laure et sa mère au sujet de la bonne sœur. Ensuite, vous répondrez à Madame Bellot comme si vous étiez Marie-Laure. Mais tu aurais dû m'appeler, voyons, la pauvre bonne sœur. Bah, c'était pas une vraie. Comment ça? Bah non, c'était une fausse bonne sœur. Comment le sais-tu? Elle avait de la moustache. Maintenant, répondez comme si vous étiez Marie-Laure. Mais tu aurais dû m'appeler, voyons, la pauvre bonne sœur. Bah, c'était pas une vraie. Bah, c'était pas une vraie. Bah, c'était pas une vraie. Comment ça? Bah non, c'était une fausse bonne sœur. Bah non, c'était une fausse bonne sœur. Bah non, c'était une fausse bonne sœur. Et comment le sais-tu? Elle avait de la moustache. Elle avait de la moustache. Elle avait de la moustache. Voyons maintenant ce que vous avez retenu. Écoutez, regardez, réfléchissez et parlez. Les Bellot ont un très bel appartement rue de Vaugirard, mais ils ne paient pas de loyer. Pourquoi est-ce qu'ils ne paient pas de loyer? Parce qu'ils sont propriétaires. La gardienne, qui est-ce? Vous savez qui c'est? C'est la concierge. D'après vous, ça... c'est un chalet dans les Alpes ou un mas en Provence? Un chalet dans les Alpes. Ça, c'est un cottage normand ou un mas provençal? C'est plutôt un mas provençal. D'après vous, est-ce que M. Bellot fait le maçon ou le menuisier ici? Il fait le maçon. Et ici, il fait le peintre ou le plombier? Le peintre. Regardez bien. Est-ce que les Bellot font amener l'eau ou mettre l'électricité? Ils font amener l'eau. Et ça, c'est une grange ou un garage? Une grange. Attention, ça va être très difficile.
Pour transformer grange en garage, est-ce qu'il faut ajouter un N ou enlever un N? Il faut enlever un N. Regardez cette maison, en résumé. Est-ce qu'elle est habitable ou est-ce qu'elle est en mauvais état? Elle est en mauvais état. Elle est en très mauvais état. Il faut tout réparer. Tout est à faire. Monsieur Guignol, il fait froid. Voulez-vous mettre le chauffage, s'il vous plaît? Monsieur Guignol, les vitres sont sales. On ne peut même plus voir la tour Montparnasse. Voulez-vous laver les vitres, s'il vous plaît, monsieur Guignol? Monsieur Guignol, les murs du salon sont sales. Voulez-vous les repeindre, s'il vous plaît? En rose, hein, s'il vous plaît, monsieur Guignol. Monsieur Guignol, il pleut dans ma chambre. Il va falloir remplacer les tuiles du toit, s'il vous plaît. Oh là là, ça devient infernal. On n'est même plus servi. Hé, monsieur Guignol, réveillez-vous. Oui, doucement, doucement. Vous voyez bien que je dors, non? Alors... Funding for this program was provided by the Annenberg CPB Project. Additional funding was provided by the Andrew W. Mellon Foundation, the Florence J. Gould Foundation Incorporated, le Ministère des Affaires étrangères, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Commissariat Général à la Langue Française, the Jesse B. Cox Charitable Trust, and the National Endowment for the Humanities. To learn more about the Annenberg CPB Channel series and workshops for teachers, how to take them for credit, how to buy them on video cassette, call 1-800-LEARNER and visit us at www.learner.org/channel. The Annenberg CPB Channel.